Salut tout le monde! On se retrouve encore une fois avec cette musique de vacances sur Puzzle et Dragons, Super Mario Bros. Edition, 11e épisode. Ça avance bien vite. Et en plus, je parle de vacances, mais c'est bientôt les vacances, hein, pour tout le monde, pour vous, pour moi. Moi, je pars 2 mois en Chine, hein, mais ne vous en faites pas. J'aurais fait des vidéos à l'avance, hein, bien entendu. Donc, on va continuer. La question du jour d'aujourd'hui est une question... J'ai pas fait gaffe. Ah oui, il y a de tout. Donc, c'est une question de moi-même. Donc il va nous manquer quoi? Pas grand chose en fait, on a tout. On va prendre lui. Hein. J'ai pas fait gaffe aux ennemis qu'il allait avoir. Bon, tant pis. Donc c'est une question de moi qui concerne tout simplement les thèmes de la 3DS. C'est pas forcément en rapport avec le jeu Puzzle et Dragon, mais je voudrais savoir si vous avez des thèmes sur la 3DS, et si oui, lesquels. Après, bon, ça peut un peu paraître hors contexte, mais il y a parfois des questions du jour que je pose qui n'ont pas forcément à voir avec le jeu, et puis j'avais bien envie de savoir, là, comme ça, par curiosité, et là, j'ai fait n'importe quoi, parce que j'étais en train de parler, au lieu de réfléchir. C'est pas grave, on va y arriver. Il y a aussi quelques... Oh non. Ok, génial. Donc il y a d'autres trucs que je voulais dire. C'était que j'allais certainement dans la semaine ou peut-être dans les jours à venir... Attends, mais là, j'ai quasiment pas de level. Donc par la suite, faire une vidéo sur Puzzle et Dragon Z en fait. Et ce serait un peu une vidéo pilote pour savoir si une série vous intéresserait. Donc en gros, je ferai cette vidéo et en fonction du succès et de vos retours, je ferai peut-être justement une série Puzzle et Dragon Z pour l'été. Donc ce n'est pas sûr, hein. Je vais faire la vidéo bientôt. Mais après, je sais pas si je vais faire justement la série entière. Ça dépendra de vous. Parce que c'est un jeu qui a l'air assez long. Et j'ai pas envie de faire une série qui sera pas suivie, parce que là, c'est pour vous occuper pendant les vacances, donc clairement, je peux pas faire une série qui... Enfin, faut que je sois sûr que ces séries seront suivies, parce que je peux pas... Enfin, je pourrais pas annuler pour faire autre chose au dernier moment, là, ça sera pas possible. Ok... Oula. Oh ! Oh non, bon, dommage. Par contre, on a rien... Ah ouais, on a pas de verre, oh là là. Ah bah j'aurais carrément pu en tuer hein, en fait, j'ai pas osé parce que je me suis dit que j'y arriverais pas, mais en fait si j'aurais pu. Bon c'est pas grave, alors là j'ai repéré quelques petits trucs que je peux faire pour le tour. J'ai repéré, là j'ai un peu tout perdu mais... Non c'est bon, ah mince, ok ouais c'est bon. Ah je croyais que j'allais rassembler des étoiles sur le côté mais non. Je crois que je fais pas assez de dégâts de bois en fait, j'aurais dû me concentrer sur les dégâts de bois au lieu de faire ça. Enfin, en tout cas, j'espère que mon équipe est bien mieux équilibrée, parce que j'ai vu tous vos retours sur mon équipe absolument pas équilibrée, puis en plus de pas être équilibrée, elle avait pas d'XP, mon équipe, elle avait des levels vraiment mauvais. Donc j'espère que vous êtes un peu plus satisfait de mon équipe, parce que j'ai vraiment du mal, moi je joue rarement au RPG, donc je joue rarement au jeu où faut XP, je le conçois, hein, qu'il y a des jeux où faille XP, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas cette habitude, enfin j'ai pas ce réflexe, donc effectivement quand je joue un jeu de ce genre, bah il m'arrive d'un peu surestimer mon niveau, alors qu'il faudrait pas. Bon, par contre là, le chip-chip il augmente bien, ça c'est cool. Oh non, est-ce que je vais pouvoir le tuer à ce tour? Je le sens pas, hein. Je ne le sens pas, hein. Donc peut-être, hein. Ouais, bon allez, ça va. Ah non, c'est pas super en fait. Bon, on va voir. Eh ben si, c'est cool. En plus, on a recapturé un bloop. Je sais pas si vous avez vu, mais ça c'est cool. Mince, j'aurais vu. Ah si, voilà, ouf. Cool. Ah, ça pour le coup, c'est bien là. Je vais le buter. Et j'ai 9 vies. Ça fait pas. Enfin, je vais pas dire que ça fait longtemps que j'ai pas perdu de vie. Mais en tout cas, à chaque fois, je reviens au compteur maximum. Et c'est cool. Enfin, c'est pas cool. Au contraire, qu'il y a un compteur maximum à 9. Parce que dans un Super Mario Bros., il y a aucune raison que les pièces. Attendez, les pièces, elles se bloquent pas à 100. On peut aller au max. Mais par contre, les vies, elles se bloquent à 9. Mais ça n'a aucun sens. Bon, après, c'est qu'ils le voulaient, hein. Tant mieux pour eux, hein. Mais bon, je suis déçu. Oh non! Ah non. Alors ça, j'avais oublié leur existence. Et là, bah, je m'en rappelle. Malgré moi. Non, il faut absolument que je le tue avant qu'il puisse m'attaquer. Ouais, là, normalement, je vais le tuer à ce tour-là. Enfin, je pense, j'ai plus de lumière, donc c'est pas sûr, en fait. Ouais, ça devrait faire l'affaire, non? Ah non, ah non, ah non. Ouais, si, c'est bon, ok, ouf. Bon, les deux autres vont m'attaquer, mais
c'est pas grave, au moins je peux faire les liens de lumière. C'est le plus important. Lui, donc il faut de l'eau. Bah on va y aller, hein, tranquillement. Ouais, bon, allez. Ok. Oh, bien! Bien. Est-ce qu'on va s'en débarrasser du Skullrex? En tout cas, j'ai regardé un peu, oui, je me suis spoilé, j'ai regardé sur Mario Wiki la liste des ennemis qu'il y avait dans le jeu. Et là, enfin, ça fait longtemps que je la regarde vite fait, mais j'ai jamais voulu la regarder en détail parce que je voulais pas me spoiler, mais j'en ai eu marre, et donc j'ai regardé, et je suis un peu déçu. Vous verrez pourquoi, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de doublons. Pour moi, il y a beaucoup trop de couleurs de Koopa différents, et qui sont considérés comme des ennemis différents. Il n'y a pas que ça aussi, bon, je vais vous spoiler un peu, donc bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas savoir, mais il y a aussi beaucoup de magie Koopa. Et de magie Koopa, enfin, de couleurs différentes. Donc pour moi, c'est pas des ennemis fondamentalement différents. Enfin, si, ce sont des ennemis différents. Mais bon, c'est un peu dommage qu'ils soient dans le jeu, mais bon, pas grave. Par contre, il faut absolument que je fasse évoluer mon Bilba, là. Il faut que je trouve une fleur de feu quelque part. Et ça, c'est pas facile. Bien sûr, j'utilise un super truc, le tour, où, et voilà, et en plus, pour avoir 25 pièces. Ah bah, je vais pouvoir rejouer à la loterie. Donc c'est cool quand même, en fait. On arrive au boss, et je vais avoir en plus le coup de bois, là. Je sais même plus comment il s'appelle, j'oublie tout le temps. Alors. Là, il y a moyen qu'on fasse des bons trucs. Ouais. Oh non, mince, bon, c'est pas grave. Bon, c'était pour faire du feu en plus, donc ça, c'était pas grave. Est-ce qu'on va en tuer un, au moins? Eh oui! Ok, ouais, non, mais ça va être tranquille parce qu'on va arriver à un boss, le boss il va être de type O, donc on va le buter sans absolument aucun problème, enfin je pense. Ouais, allez, petit combo. Puis je vais regagner des vies en plus. Oh, j'ai plus que 6767 vies. Ah, elle est pas ouf cette équipe. En même temps, ça doit être à cause du... Bah le Bilba, je crois qu'il donne pas beaucoup de vies, et en plus le Ship, bon, il est d'un niveau un peu faible. Donc il doit avoir du mal à m'en donner aussi. Allez, voilà, un boss qu'on va niquer en un coup. Oh, Nounou Bloops avec deux petits. Ça, c'est cool. Bon, bah, alors voilà. Petit vie par 1,5. Ensuite, on fait ça. Voilà, volée de bois vert. Mais c'est quoi un volet de bois vert, en fait? Enfin, une volée. Ah, une volée. Ah, voilà, ok, une volée, genre... une volée, quoi. Ouais, bon, ok, je comprends. J'ai pas compris jusqu'à maintenant, mais c'est bon. Oh, il a même pas augmenté de niveau en plus, le Ship. Bon, c'est beaucoup mieux que la maison de boue, en tout cas, ce niveau, hein. Et on va redébloquer un petit Bloops que je pourrais faire évoluer pour agrandir notre réserve, enfin notre bestiaire. Là, on arrive bientôt au boss. Alors ça, j'ai peur. Je sais pas vous, mais moi, j'ai carrément peur. Enfin, j'ai 9 vies. Avec 9 vies, normalement, ça devrait le faire, mais bon. Oh, il y a plus de feu et plus de... Ah bon, on va se retrouver en fait avec l'équipe que j'utilise, quoi. Donc, c'est quoi? C'est celle-là. Ouais, bah c'est celle-là, ok. Donc il nous faut en plus... J'ai pas fait gaffe, c'est lui, non? Il nous faut du jaune. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a pas... Si, on a beaucoup de jaune, mais bon, c'est pas grave. Allez, on utilise. C'est celui qui a le meilleur level de tous les Toads. Et apparemment, à la fin de ce château, on va débloquer une nouvelle transformation, oui, des frères Mario et tout. Donc ça va être cool, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas. Y a moyen de faire beaucoup de choses, mais... mince. Ah, dommage. J'aurais bien voulu les faire descendre, mais... Ah, surtout qu'en plus... Ah, mince, ils sont verts. C'est vrai qu'on est sur la surface. Donc là, on n'a pas leur faiblesse. Et en plus, je les ai attaqués avec de l'eau. Et l'eau, c'est carrément ce qui leur fait rien, en fait. Bah ouais, j'ai pas trop le choix. Bon, c'est surtout pour renforcer mes combos, on va dire. Ah, je peux attaquer lui. Allez. Ah bah c'est bon en fait, j'aurais tué les deux, tranquille. Alors là ouais, ça va être un peu plus galère ce niveau je pense. Par contre on va rencontrer deux nouveaux ennemis normalement, ça c'est cool. Pour l'instant on n'en a rencontré aucun. Ah ouais, mais j'aurais pas dû mettre autant de bleu en fait. Parce que le... Ah non, j'aurais pas dû mettre autant de vert en fait. Mais si, mais là c'est le vert. Ah ok, non, je confondais par rapport aux autres. Ouais, donc là leur faiblesse c'est le vert, ok. Donc ça, ça va. Mince, ah ouais, ça c'est un peu mauvais en fait. J'aurais bien voulu les rassembler, mais j'avais pas trop le temps. Oh! Waouh! Bon, pas la peine d'attaquer en particulier, voilà. Oh!
Bah clairement là oui, je les attaque avec leurs faiblesses et en plus les verts. En tout cas j'espère que Sanji 3000 est content que j'ai une plante piranha dans mon équipe. Elle m'a l'air de m'être plutôt utile hein, pour le coup. Ah c'est eux les nouveaux? On les avait jamais vus eux? Mais si, je crois qu'on les avait déjà vus. Bon je suis plus sûr mais je pense. Ah ouais mais non. Oh là là, dommage. Oula. C'est quoi cette histoire? Mon dieu. Ah ouf, c'est bon, ça s'arrête. Enfin ouf, j'aurais bien voulu que ça continue. Non mais c'est cool. Pas mal de dégâts là. Et on démolit tout le monde. Oh voilà, c'est ça la baie, voilà. Donc j'en avais déjà débloqué des baies hein, pour... Enfin par le passé. Mais là, on en a de nouvelles. Bon pour l'instant ça nous sert strictement à rien, mais à mon avis ça va être utile pour Yoshi. Mais pour le moment il n'y a pas de Yoshi. Hein. Donc là j'en ai 6, 1, 2, 3, non j'en ai que 5. Donc il faudrait que j'en détruise déjà 3. Et que j'essaye d'en faire apparaître d'autres. Voilà, c'est bon, parfait. Super. Non, non, mais c'est bon, stop, voilà. Et bah non, pas une fleur de feu. J'y ai cru, mais non, j'y ai pas cru. Enfin, j'ai pas regardé mais sur la preview, mais je crois qu'il y en avait pas. J'aurais vu. Alors là... Faut faire attention de pas se faire piéger, en fait. Parce qu'on peut facilement faire des gros combos. Ouf, c'est bon. Là, par contre, est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'aller là? Je ne sais pas. Oh! Un crapaudon bleu. Ça aussi, c'est nouveau. Alors, eux, bah... Ah, si, si, on a leur faiblesse. C'est bon. Bah, carrément, là, il y a moyen de faire de bons trucs. Et ouais! Beau petit combo. Oh, mais ça continue? Mon Dieu! C'est... Enfin, je prévois jamais ce genre de combo, mais je suis très content quand ils arrivent. Hein. Le crapaudon bleu... Ah, j'ai cru qu'il allait pas mourir. Par contre, c'est super difficile de les capturer, les trucs. Je sais pas si vous savez s'il y a un moyen de capturer plus facilement les persos. Ok, voilà. Ça suffit, là, voilà. Oh, une super feuille, génial. Ah, il y avait quasiment rien, en fait. Il était super court, ce passage secret. Et là, on va arriver au boss. Peut-être. Eh oui. Avec nos attaques chargées. Même pas, on a aucune attaque chargée. Oh non, Ship Ship et Skull Rex? C'est nouveau ça. On n'en avait jamais vu jusqu'à maintenant. Donc là, bon bah c'est... Là on connaît leur faiblesse. Hein. Rien de nouveau. Mais est-ce que... ouais. Bon allez, ça va, ça me paraît bien. Et c'est bien justement. Par contre il est de type O. Un Skull Rex de type O, on aura tout vu. Hein. On vit vraiment dans un monde bizarre. Et je peux toujours pas faire d'attaque. Ah ouais, mon dieu, ils mettent trop longtemps à charger. Alors là, par contre... Ouais. Qu'est-ce que... Ah, je pense que... Ouais, puis après ça va tomber. Ouais, ça peut être cool. Parce que là, voilà. Voilà. Ah, ça s'arrête là? Mince. J'aurais cru que ça allait aller un petit peu plus loin. Ils vont tous m'attaquer! Ouh là là, qu'est-ce que ça va être? Réconfort de l'océan. Ah! Ok, donc faut clairement que d'abord je me débarrasse de détruire les trucs qu'il y a autour. Et ensuite, les petits chip-chip. Et ensuite, on pourra s'occuper de détruire les. Enfin, le Skull Rex. Quoique là, je fais beaucoup de dégâts. Hein. Je peux l'attaquer directement, le Skull Rex. Je le tuerai, non? Attendez, là, je vais lui faire quoi? Tant que ça! Mais là, je vais le tuer en un tour, non? J'espère, j'espère. Bon, en fait, j'ai tout tué en un tour. Oh, c'est quoi? C'est une super médaille comète? C'est quoi ce truc? Attends, mais c'est une médaille comète, mais elle est en train de briller. Ah, grande médaille comète! Waouh, ils ont inventé ça d'où, là? Elles sont déjà grandes, les médailles comètes de Mario Galaxy. Et elles sont plus grandes que nous! Mais bon, c'est pas grave. On verra à quoi ça sert. Ils se sont pas foulés quand même pour inventer des objets, hein. Maxi machin, grand truc, roi machin, machin bleu, machin vert. N'oublie pas que tu peux déplacer les orbes en diagonale. Ah ouais, bah ça demande du skill parce que j'arrive pas souvent à le faire ça. Ouh là là, on va arriver à qui là? Ah non, c'est... Ah, c'est la forteresse de mi-monde. C'est tout? Ok. Et là, il va y avoir de tout. Donc ça, c'est pas super. Donc on va utiliser notre bonne équipe. Je devrais avoir de la lumière en plus. Je sais pas. Vert, bleu, rouge.
Je pense qu'il me faudrait de la lumière en plus, mon équipe elle va se retrouver comment là? Non, je fais rien d'eau et rien de... Ouais. Allez. Je suis pas beaucoup mieux, mais bon, enfin, c'est mieux. Mais c'est quand même pas dingue. Il va falloir que je focus les... Oh, un champ! C'est nouveau ça? Oh non, ça va nous faire des dégâts de dingue. Je le sens venir. Ça, c'est toujours comme ça. Les nouveaux ennemis dans ce jeu, c'est toujours comme ça. Ça fait des dégâts, mais c'est même pas... Oh là. Moi, je lui fais rien. Et bah ouais, je confirme, je n'y fais rien. 2000. Bon, j'aurais cru que ça ferait plus. C'est pas mal. Mais j'aurais cru que ça allait me faire beaucoup plus mal. Non, mince. Ouais, allez. Oh, beau combo. Enfin, beau combo. Je fais rien de lumière. Donc rien qui soit sa faiblesse. Oh, je vais pas réussir à le tuer à ce tour. J'ai pas de lumière. Enfin, j'en ai pas assez pour faire le truc. Puis en plus, j'ai pas grand-chose tout court, en fait. Ouais, bah, à part faire ça... Ah, mince! Je voulais le ramener, l'autre. Bon, je le tuerai avant qu'il m'attaque une troisième fois. Mais il m'aura quand même attaqué deux fois. Non! Non! Hein? Il en paralyse un au hasard, comme ça, tranquille. Bon bah... Vas-y, fais-toi plaisir. Mince. Ouais. Ah ouais, non mais ça m'arrange pas, parce qu'en fait, il va pouvoir m'attaquer une troisième fois. Enfin, une deuxième, vu qu'au final, il y a une fois, il m'a pas attaqué, mais... Quand même. Ouais, bon, allez. Oh, bien. Est-ce que ça va le tuer, ça? Est-ce que ça va être suffisant? Ah oui, parce que mes dégâts de lumière sont réduits, vu que l'autre est paralysé. Et voilà. Cool. Ah, j'aurais bien voulu le capturer, le petit champ. J'aurais bien voulu voir ses attaques et tout. Enfin, on m'a vu, ça paralysait un ennemi, hein, pareil. Bah, ouais, je vais me concentrer sur celui qui va s'avérer le plus chiant, quoi. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Bon, pas grave. Enfin, un peu grave quand même, mais... Oh là là, je lui fais rien du tout. Il y a une défense de dingue. Et en plus, là, mes persos, enfin, leurs attaques spéciales mettent des lustres à charger. C'est incroyable. Oh, bien, bien, bien. Enfin, ça s'arrête là. Je vais le subir, le lien de lumière. Là, je le sens. J'ai un tour encore pour le buter. Mais je sens que le lien de lumière, là, il arrive à grands pas. Oh mince, j'aurais pu utiliser un soin. Ah bah si, c'est bon, ok. Oh bien! Non, là, ok. J'aurais pas le lien de lumière. Là, c'est carrément certain. Mais je vais me faire choper par le chomp. Ah non, même pas! Attendez, tout à l'heure, j'ai galéré comme pas possible à battre le chomp. Et là, en un tour, je le bats. Wow, ça arrive, hein, apparemment. 6 trucs à la fois. Ah ouais, ça va pas être facile non plus. Voilà. Bien. Ah, j'en ai toujours pas assez. Il faut qu'à ce tour-ci, il y en ait suffisamment qui apparaissent. Mais c'est pas garanti du tout, hein. Puis en plus, non, je risque de les buter bêtement. Oh non, non, non! Ok, ouf, c'est bon. 6 à la fois. Bah non, il y en a que 5. Donc non, dans tous les cas, je peux pas. Non, je peux pas. Ah, mince. Bah ouais. C'est bête, parce qu'en plus, là, ils apparaissent. Ah, là, par contre, il était super chaud à ouvrir. Je suis sûr qu'il y aurait eu qu'une vie dedans. Donc au final... Oh! Une plante piranos. Ils appellent ça comme ça. C'est une plante piranha squelette. Pas une plante piranos. Et en plus, elle est de type feuille. Attendez, non mais c'est un squelette. Un squelette, ça peut pas être de type feuille. Oh là là. Il faut tout leur apprendre. Bien. Par contre... Il y a clairement des trucs à faire, mais... Oh mince, j'ai plus eu le temps de l'amener, l'autre. Bon. Là, on a encore une chance en plus. Oh, vas-y, t'inquiète. Miasme empoisonné, qu'est-ce que ça fait? Empoisonnement?
À ça, je dois bien avouer que j'y avais absolument pas pensé. Qu'un ennemi puisse avoir empoisonnement. Mais là, pour le coup, fou là là, je vais perdre des vies comme ça gratuitement à chaque tour. Oh mon dieu. J'aime pas. Qu'est-ce que je peux leur faire? Mince, bah, j'ai perdu le fil. Voilà. J'ai perdu le fil, je savais plus quoi faire. Est-ce qu'on va le tuer? Pitié, pitié, pitié. C'est bon. Et l'autre, elle a pas l'air d'avoir une super résistance, hein, la plante Pyranos. Je suis plus empoisonné. Ah si. Si, si, je suis toujours empoisonné. Je sais pas combien de temps ça dure, mais ça a pas l'air de vouloir partir. Et là voilà, vengeance. Je vais la cramer cette plante. Oh, 6000. Ça suffit pas? Mon dieu, elle a carrément beaucoup d'attaques. Haut en feu et surtout de la défense, enfin de la vie. Ça c'est bien. Ok. Ah, j'aurais bien voulu un petit soin, mais bon. Ouf, elle est morte. Je suis toujours empoisonné? J'ai l'impression. Hein. Ouais, non. Non, non, je le suis plus, ok. Alors là, par contre, normalement, je l'ai tué en 3 tours, ce truc-là, et là, il y en a 2. Merci! Comment je vais faire mon compte? Ah mince, ah mince, ah mince. Ah si, si, c'est bon. Ok. Oh! En tout cas, je me soigne. Avec beaucoup de chance, j'en aurais tué un. Non, mais il y a forcément un truc que je peux faire. 1000 PV, échange les orbes de bois en cœur. Non, ça, ça sera utile pour le boss, mais... Bon, déjà, je peux faire ça, je pense. Même si, bon... Moi, je vois pas ce que je peux faire de mieux que ça. Hein. Non, 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 mince! J'ai cru que les trucs allaient tomber. Mais en fait, non. Quel débile je fais. Et voilà. Lien de lumière. C'est bon. On est reparti avec notre attaque préférée, parce que là je fais des trucs de lumière, mais ça ne fait plus rien. On peut plus attaquer qu'avec... Pourquoi ça n'a pas attaqué avec l'eau? J'ai pas détruit de trucs d'eau, j'ai cru l'avoir fait. Et en plus je peux vraiment carrément plus rien faire là. Ouais bah ça c'était ce que je redoutais, hein. Là vous allez être beaucoup à me dire « Oh mais ton équipe en même temps elle était pas équilibrée et tout ». Je sais, mais j'ai mis mes éléments les plus forts en fait et... Je pensais que ça le ferait pour le coup, mais non. Même pas un de mort. Allez-y, amusez-vous. Bon, dans un tour, normalement, on sera libéré. Parce que là, je peux rien faire. Hein. Ah non, ils sont libérés? Ok, bah c'est cool. S'ils sont libérés, c'est cool. Ok. Voilà, bien. Je me venge. J'en ai capturé un. J'ai capturé un Scarabosse. C'est mon premier, non? Je crois jamais en avoir eu de Scarabosse jusqu'à maintenant. Je crois. Hein. Je sais pas, je suis allé faire des trucs, j'ai pas fait gaffe. Voilà. Ah non, ça suffira pas. Pas lien de lumière, hein, s'il te plaît. Ça suffit pas. Ok, pas lien de lumière. Je t'aime, je t'aime. Alors là, par contre, ça vaut le coup d'utiliser ça. Comme ça, en plus, on va peut-être gagner un peu... Parce que là, on a un tour à peu près gratuit, quand même. On peut juste gagner comme ça des... Voilà. Puis si ça le tue en même temps, tant mieux. Et voilà, salut à toi Scarabosse. Ah, je suis content d'avoir débloqué le Scarabosse là. Ah, le boss après ça. Oh, pitié que je ne me fasse pas empoisonner juste avant le boss. C'est tout ce que je demande. Mais ça va arriver. Ouais. Mince. Non, je savais plus quoi faire, j'étais perdu. Et pour le coup, bah, je ne fais rien du tout, en fait. C'est comme si j'avais pas attaqué. Alors là, il y a moyen de faire des trucs. Déjà, et ça s'arrête là. Mince. Ah, je leur fais rien du tout. Oh! Heureusement qu'il a pas attaqué l'autre, parce qu'en fait je serais mort. Hein. Mais là, ouais, bon, je suis empoisonné, donc...
je peux utiliser ça ou en feu. Ça va être utile, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Oh mon dieu, ça réduit les dégâts de bois, j'avais oublié cette attaque. J'aurais dû l'utiliser. Par contre, je sais pas si ça annulait leur pouvoir, mais en tout cas, ça aurait été forcément utile. Oh non, pourquoi le combo s'arrête là? Ok. Alors, je vais annuler les dégâts de bois maintenant. Parce qu'en plus, ça me servirait à rien d'autre. Enfin, c'est pas contre le boss que ça va m'être utile d'annuler les dégâts de bois. Hein, parce que le boss, il va rien faire de bois. Alors ça... Ok. Mince, qu'est-ce que j'ai... Ouais, bon, ok, voilà. Tant pis, je peux faire rien de feu. Mais au moins, je ne me fais pas attaquer. Par contre, l'autre, il va me réattaquer avant la fin. Eh ouais! Haha! Vous avez le seum! Ouais, bon, ça, par contre... Ah mince! Ah si, 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 ok. Ouais, c'est tout. Ça va le buter, là? Allez, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Non, même pas. Par contre, là, je vais mourir. Faut juste que j'espère... Enfin, faut pas que je me fasse attaquer. Enfin, je me ferai attaquer. Mais faut pas trop que... Ok. Bon, bah voilà. Oh, bien! Ah non, bah, je vais peut-être pas mourir. Ah bah si, 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 parce qu'ils vont m'attaquer. Et ouais, elle va me tuer plus le poison, donc... Ouais, bon, c'est pas grave. Je dépense une vie. Voilà, ça fait pas... Quoique non, j'allais dire que ça fait pas mal d'épisodes que j'ai pas perdu de vie, en fait, non, c'est pas totalement vrai. Mais bon, c'est pas grave, parce que là, dans cet épisode, j'en ai pas encore utilisé. Et je vais certainement en réutiliser encore une contre le boss, donc... Je sais pas pourquoi j'ai pris elle en particulier, mais voilà, c'est fait. Ne me rempoisonne pas, enfin, elle va forcément rempoisonner, hein, si elle est maligne. Non, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse, c'était du feu. Pour le coup, là, j'ai totalement loupé. Et non, elle m'empoisonne pas. Ah ouais, plutôt gentil, hein. Ok, cool. Je vais me re-soigner un peu. Oh là, ça la tue même pas. Bon, là, normalement, on va l'avoir sur ce tour, mais... C'est dingue quand même la force de certains ennemis. Ouf, j'ai eu peur. Le truc s'était arrêté, il restait un pixel. Ça aurait pas été la première fois que ça me fait un truc pareil. Hein. Mais bon, là j'aurais été dégoûté. Allez, boum boum. Qui attaque dès le début du combat avec frappe instinctive. Pas trop de dégâts, hein. Oh, 1900. J'ai pas l'impression que boum boum devienne si fort que ça en fait. J'ai l'impression que ça reste à peu près pareil. Alors, voilà, volée de bois vert, pour commencer. Ah oui, non, en fait, il a l'air d'avoir beaucoup plus de vie qu'il n'en avait avant. Ah, j'aurais dû baisser sa garde avant. Génial. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre déjà? C'est des vies, mais bois en cœur. Non. Quoique si, 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 si. Ça, j'ai regagné beaucoup de vie. Et donc, il faudrait que j'utilise ça. Mince, j'ai pas réussi à le redescendre. C'est pas grave. Oh, c'est reparti pour les ennemis auxquels on fait aucun dégât. Regardez tout ce que je lui ai fait alors que... Enfin, j'avais pas une frappe... Enfin, une force de frappe énorme, mais quand même. Ouais. Oh, ça va être bien, là, par contre. Là, je vais lui faire quelques dégâts, quand même. Et en plus, je regagne toutes mes vies. Et ouais, bien. 5 tours comme ça et on le bat. Gourdin. Ah non, 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 non. Gourdin, ça s'est abusé comme attaque. Mais bon, faut bien que de temps en temps, il utilise attaque abusée. Hein. Oh, bien, là, je vais faire quelques combos. Ça me choquera toujours les méchants qui sont de type lumière. Ça, après, hein, ils ont le droit, hein, mais... Parce que lumière, ça veut pas forcément dire bon, mais bon...
Ah mince, j'aurais dû bouger le feu. Mais quoi, c'est tout? Ah, j'étais persuadé que j'allais faire un autre truc. Non, en fait, non. Attaque rafraîchissante. Hein? Ok, ça a modifié tous les trucs bizarrement. Ou en feu, pourquoi pas. Ah, il y a moyen que je fasse quelques points. Ouais, je vais faire quelques points. Bah allons-y. Puis un peu de soin. Oh, bien, 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 bien. Waouh. Est-ce que ça va suffire pour le tuer? Je pense pas, parce que tout à l'heure, j'avais quand même fait 8000 choix avec le Bilbal. Quoique... Eh ben si, voilà. On a fini avec Boom Boom. Alors, ce monde est éternel. On est au monde 4 et on en est qu'à la moitié du monde. Donc ouais, je sais pas combien de temps va durer le let's play, mais on dit que ça va être très très long. Ça se trouve il va continuer cet été en fait, hein. Il sera peut-être pas fini avant que je m'en aille. Oh, notre Scarabosse. Ah bah en fait on en avait... Ah non, c'est un bruit insecte. Oh là là. C'est vrai que comme c'est une évolution, enfin il considère ça comme une évolution, voilà. Ah, ça va plus être très long en fait, il reste deux niveaux avant d'arriver au château. Oh voilà, on l'a. Tu peux maintenant utiliser Mario Fantôme comme leader. Tu peux maintenant utiliser Luigi Fantôme comme leader. Et voilà. Quelle stratégie adoptes-tu face à des ennemis qui ont une défense élevée? Certaines compétences peuvent t'aider à contourner le problème, mais tu peux aussi multiplier les combos. Et bah voilà. Bon bah alors on a deux nouveaux leaders. Je sais pas si nous serons vite utiles. À mon avis, Mario il sera rouge ténèbres et Luigi vert ténèbres. Je sais pas. À vous de me dire vos suppositions, mais je pense que ce sera ça, ça serait logique. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve dans 2 jours pour la suite. Salut!